Améliorer sensiblement les conditions de vie des communautés locales de la République démocratique du Congo, tel est l'un des objectifs du séminaire organisé par le Bureau central de coordination BICECO. Cette rencontre vise la sensibilisation des agences locales d'exécution des provinces concernées, réunies à Kinshasa dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Plus d'explications avec Erwin Nkuka et Darlene Zouzi. Il s'est tenu ce mercredi 22 mars au centre Nganda l'ouverture du séminaire de sensibilisation des agences locales d'exécution du programme de développement local des 145 territoires de la RDC. Ce séminaire organisé par le Bureau central de coordination BCECO a rassemblé les différents partenaires qui travaillent sur terrain pour le compte de ce programme du gouvernement. Edouard Coco, directeur technique du BCECO, représentant le directeur général en mission, a prononcé le mot d'ouverture de ce séminaire. Ça va faire une évolution positive, mais par manque d'intervention des uns des autres, nous allons focaliser pour faire revenir sur le résultat qui est attendu du PLF. Ainsi, au nom du directeur général, je déclare ouvert la télévision. Améliorer les conditions sociales des communautés locales, l'un des objectifs du BCECO qui, dans le programme de développement local des 145 territoires, attend de ses agences locales d'exécution la construction et la réhabilitation des 313 ouvrages, dont 189 écoles et 124 centres de santé, comme le mentionne le directeur technique. Bon, l'objectif principal, nous voulions rappeler aux ALE, qui sont nos partenaires, les Taguettes, le résultat que nous attendons. Avec les ALE, nous attendons 313 ouvrages. Nous avons déjà cheminé avec eux 4 mois, parce que la durée des réalisations d'exécution de travaux, c'est 6 mois. Nous leur rappelons que les Taguettes arrivent. Signalons par ailleurs que le BCECO, aux côtés du PNUD et de la cellule de financement, s'occupe de 48 territoires établis à travers 9 provinces sur les 26. Ce séminaire de 2 jours prend fin ce jeudi 23 mars.